Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Nobonobonobo, le capitaine des pirates du singe musclé. Et aujourd'hui j'ai clairement pas reçu un message comme les autres. Je vous fais écouter ça tout de suite. Bien le bonjour Nobonobonobo, capitaine de l'équipage des pirates musclés. Je vous envoie aujourd'hui ce message dans l'espoir de vous rencontrer. En effet, votre réputation se fait entendre et se raconte à travers les mers, et elle m'intrigue grandement. Je me lance à la recherche du trésor caché et j'ai une offre qui, je pense, pourrait vous intéresser. Je vous attends sur la première île. J'espère pouvoir compter sur vous. Waouh les gars, mais qu'est-ce qui vient de passer? Mais qu'est-ce que c'est que ce message incroyable? Bon, les amis, dites-moi dans les commentaires si oui ou non je dois aller voir pour ce message. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, si tu n'as pas encore mis ton like sous cette vidéo, et si tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à le faire, c'est le moment. Et n'oublie pas que je suis sur live Twitch tous les soirs de 21 à 23h. Bon les gars, c'est parti pour la suite des quêtes. Bon voilà du coup les amis, étant donné que je suis revenu de mon petit message, il est grand temps d'avancer dans les quêtes et du coup de s'attaquer à ce château de glace. Le nain, tu es prêt pour cette attaque? Je suis clairement prêt, le château de glace, on va en faire qu'une miette avec tout le feu qu'on a dans nos pouvoirs. Bien sûr, et toi 08 du coup tu es prêt? Moi je suis carrément prêt et je vais briser le château en deux carrément, il va se détruire nos beautés, vraiment pas prêt. Bon du coup 08, c'est vrai qu'avec une si grosse épée tu peux que le découper en deux ce château hein. Mais oui carrément, parce qu'en fait si tu veux, moi je vais attaquer les bases du château, comme ça tout va se détruire. Exactement, c'est une très bonne idée. Bon, par contre, vous avez vu qu'il y avait un amiral à l'intérieur, mais on va d'abord s'occuper des officiers qui se trouvent juste devant. D'ailleurs, j'ai les abonnés qui sont déjà venus en masse pour préparer l'attaque contre l'amiral des glaces. Donc c'est parti, on va s'attaquer du coup au petit mob ici. Et à quoi il ressemble? Attendez, oh! Ils ont des petits manteaux. Des manteaux de fourrure. Ah! Il m'attaque! Bon, c'est bon, les gars, on s'en occupe! Bon, allez, c'est parti, je vais m'attaquer au dernier, je lui saute dessus. Allez, viens ici, mon choupignoux. Hop, je te saute sur le museau. Oh là là, mais attendez. Allez, il a clairement pas envie de mourir. Attends, j'arrive pas là! Allez, viens ici! Voilà! Magnifique! 4 300 000 d'XP et 12 500 dollars. Si ça, ça ne fait pas plaisir, je ne sais pas ce qui fait plaisir. Bon, c'est parti, les gars. On prend la quête pour l'amiral et on monte en haut du château. Oh, du coup, nous voici à l'entrée du château de glace. Vous êtes prêts à attaquer ce grand boss? Bien sûr qu'on est prêt. Qu'est-ce que tu crois? Toi, je me suis transformé en léopard et je compte bien tuer ce boss. Moi aussi, je suis prêt. Tu penses qu'on devrait pas appeler les abonnés pour venir nous aider? Je pense qu'il faut carrément les appeler. Bon, abonnez, venez tous. D'ailleurs, c'est le moment pour vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bon, c'est parti, direction l'amiral. À l'attaque! Je retourne en arrière. C'est bon. La même. je te suis, gros. Bon, allez, non, franchement, il faut s'en occuper parce que si on s'en occupe correctement, on va pouvoir avancer. Bon, allez, c'est parti, je me transforme. Let's go! Il a fait quoi là? Mais, je suis tombé en petit! Et voilà! Voilà! Bien joué les gars! Oh, facile. Ça c'est très bien! J'ai une clé de bibliothèque? Ok, c'est quoi? De bibliothèque, attendez! Il y a une bibliothèque! Je peux rentrer dedans? Moi aussi je suis dedans! Moi aussi! Bah, attends, Zeruit, viens voir! Ici la bibliothèque! Zeruit, t'es où? Viens! Mais ici. Vous êtes où? Viens! Ah! Ok! Oh oui, c'est quoi ça? Bonjour, je m'appelle Feuillu, la réformée. D'accord, oui, est-ce que je peux savoir? Alors, tu as tout simplement par le passé appris le coup de pied noir. Oui, effectivement, j'ai appris le coup de pied noir. Je peux te le passer en V2 en échange de 2 500 000 et 5 000 fragments. J'accepte directement. Vas-y, fais-moi passer mon coup de pied en V2. Ok, les gars, je sens mes jambes beaucoup plus puissantes. Attends, hop. Pour le moment ça n'a rien changé. Mais attends, parce que je suis tiré à maîtrise 400 sur ce coup de pied. Attends, du coup je vais tester ma première attaque, attendez. Ok. Tu fais vraiment peur, hein. Vraiment, je m'attraquais pas à toi hein. Puis j'ai ça. C'est quoi ça? Ça c'est l'oiseau. Ok, oh. Oh, c'est le shot en fait, c'est le shot phénoménal j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment un shot phénoménal. Après en troisième attaque j'ai ça. Oh, ok, c'est mignon, ça fait genre un tourbillon qui fait des dégâts. Et on maîtrise 400, j'ai ceci. Mais t'as les pieds en feu là. Attention, me brûle pas. Oh là là, mais c'est tellement puissant. Et attends, j'ai un détecteur. Un détecteur de quoi? Tic. Ah, moi aussi, je te suis. Oh, y'a quoi derrière? Mais regardez sous la poussière. Oh, il y a des épées. Attends. Ah oui. Oh les gars. Oh. Oh. Regardez mon épée. Mais non.
Mais j'ai Rengoku! Nobo, je l'ai Waouh! Waouh! Mais t'as Rengoku, gros! Mais c'est incroyable! Oh. Regarde notre sac, comme il est stylé! Oh, il est vraiment trop beau, de couleur rouge! Mais attends, mais on va trancher des gorges avec ce truc! Mais c'est carrément ça! Zerwit, par contre, vraiment désolé, mais du coup, il y en avait que deux. Hein. Du coup, moi, je le garde pour moi. Ah bah non, regardez, il y en a une juste ici, et celle-là, elle est pour moi! Ah, mais quoi, tu l'as aussi? Oui, je l'ai aussi. Elle était juste en dessous, elle était cachée encore plus que les vôtres. Wow. Parce que celle-là est encore plus rare, les gars. Il a Rengoku. Waouh. Mais moi, c'est trop bien, j'ai débloqué l'épée du Rengoku. Ah ouais, mais vous avez trop de chance, les gars. On est une triple Rengoku, du coup. Oh là 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 là. Par contre, les gars, c'est bientôt la fin de notre mère. On va passer à la prochaine île, les gars. Oui. Ouais, vas-y, je te suis. Et tu sais où? Ouais, bien sûr que je sais où. Mon Lopo est en train de me dire vers où c'est. Ok, Nobo et Ludo, j'ai une blague pour vous dès maintenant. Vas-y, fais-nous la blague. Alors les gars, est-ce que vous savez ce qui est jaune et qui attend? Jonathan? Ouais, Jonathan? Non, un petit pois jaune dans un ascenseur. Ouais, c'était vraiment une plaque nulle, hein, Zervid, vraiment, c'était éclaté au sol. Oh! Oh! Les gars, c'est la dernière île! Mais non. Oh bordel ça, on va passer en C3 après. Oh les gars, c'est pour passer en C3, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Oh oui, j'ai trop hâte, Nobo, j'ai trop hâte. Oh bordel, j'ai beaucoup trop hâte. Venez les gars, on va voir directement pour les quêtes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh là là, je suis impatient de voir qu'est-ce qui va se passer par ici. Oh là là, je suis impatient. Mais mec, c'est super haut là pour monter. C'est quoi? Oh! Mais gros, c'est la dernière île en même temps. Attendez, qu'est-ce qu'il me dit le mec des quêtes du coup? Alors, du coup, veuillez sélectionner une quête. Alors, commencez par les soldats de la mer. Il faut que vous tuez 8 soldats de la mer pour gagner 12 250 $ et 47 millions d'XP. Oh, mais c'est parti, moi je ne perds pas plus de temps. Par contre, du coup, vous savez, j'ai pris le karaté des hommes poissons, vous savez pourquoi? Parce que les mecs ici, ils utilisent le karaté des hommes poissons. Venez, on va les tuer. Ok, bon, c'est bon, let's go s'attaquer aux soldats des mers. Bon, en vrai, ils sont pas l'air ultra forts, hein. En vrai, ça a l'air de bien se passer pour le moment. Ils sont beaux gosses, par contre, hein. Tu les trouves beaux gosses? Ah ouais, je les trouve super beaux, ils sont trop classe. Bon, après, est-ce qu'il est clairement les derniers bots? Du coup, ça fait. Ils sont forts? Ouais, ils sont vraiment très très forts, hein. Les soldats, c'est quand même des soldats de la mer, hein, donc on va pas se mentir que c'est des nageurs hors pair et ils utilisent en plus de ça le karaté des hommes poissons. Donc clairement, ce n'est pas piqué des hannetons du tout. Bon, c'est parti, je m'attaque au dernier soldat des mers. Allez, c'est parti, viens ici. Hop. C'est bon. 4 700 000 XP et 12 250 $ et c'est dans la poche. Bon, par contre, venez, on va essayer d'aller voir à quoi il ressemble le dernier boss du coup de cette mer. Venez, on va aller voir. Mais attends, si c'est le dernier boss, ça veut dire que c'est le plus fort, si je comprends bien. C'est exactement ça. Venez, on va voir par ici, j'ai l'impression de le sentir par là avec mon acquis d'observation. Les gars, venez avec moi. Venez, regardez, passez juste votre tête, hein, passez là pas trop. Hein. Ouais, t'inquiète. Il est là. Regardez, juste en face. Oh. Wow, bordel, il fait peur, gros. Oh, les gars, il a l'air super effrayant. C'est le dernier boss de la C2. Bon, les gars, on se met ensemble et on l'attaque. Vas-y, moi, je suis prêt, les gars. Les gars, si vous voulez voir tout simplement le combat contre le boss final de la C2, il va falloir s'abonner à cette chaîne YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux et bien sûr mettre un pouce bleu sous cette vidéo. N'oubliez pas, je suis en live tous les soirs de 21h à 23h sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et pour le pirate du singe musclé, aouh.